public. Allez, je ne déborde pas plus, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon samedi soir, un très bon week-end et surtout un très bon visionnage. Salut. Donc une transposition avec les quatre dames. On va déjà commencer par mettre une dame dessous et puis une dame dessus. Alors les dames rouges, d'accord, aux extrémités. Et au milieu, les dames noires. Ok. Donc souvenez-vous bien de cette situation initiale. On a au centre les dames noires, aux extrémités les dames rouges. D'accord. Très bien. Maintenant, on va essayer de faire transposer ces quatre dames. C'est-à-dire les faire changer de place et ça demande que quelques secondes, même quelques fractions de secondes. Les dames rouges sont au centre. Et les dames noires aux extrémités. Alors c'est très intéressant, n'est-ce pas? Mais est-ce que on pourrait le faire peut-être? Oui, on pourrait le faire peut-être avec une carte choisie. Tenez, le spectateur prend une carte, alors par exemple le 10 de carreau. D'accord? Très bien. Hop, voilà. Donc 10 de carreau, tout le monde voit bien le 10 de carreau. Je le laisse juste en saillie externe. 1, 2, 3, 4 cartes qui étaient sur le dessus, qui sont les 4 dames. D'accord? Très bien. Pour être sûr qu'elles ne s'échappent pas, on va déposer les dames sous l'étui, comme ceci. Ok. Et puis, regardez bien, on effeuille juste un peu comme ça, et logiquement, ça transpose. On se retrouve avec une dame. Et maintenant, si on fait juste ça, ce sont les quatre dames qui passent ici. Alors évidemment, sous l'étui, qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment, ah oui, on a le 10 de carreau, merci.